Yop les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un abo en or. Et là on a mis les petits plats dans les grands les amis. On a revisité un petit peu la map, on l'a refait avec du coup le créatif 2.0. Petit bémol, c'est qu'en fait en gros on a fait une map qui est méga stylée avec des animations et tout. Vous allez le voir, je vais pas trop vous spoil, c'est incroyable. Ce qu'a fait Vertigo, c'est vraiment incroyable. Et du coup ce qu'on peut faire en 2.0, ça va être un truc de ouf. Là on est en train de taffer sur des émissions TV qu'on peut potentiellement refaire dans Fortnite. Ça va être une dinguerie si on y arrive. Le problème c'est que en fait en gros on a la version finale de la map, mais on peut pas la publier. Il y a un problème sur Fortnite, on peut pas la publier. Du coup, on a seulement la version numéro 1 avec quelques petits bugs, tout ça. Ça va pas influer normalement sur le jeu, sur le cours du jeu, etc. Les questions sont en place, tout est en place. Sauf qu'il manque 2-3 animations. Il y a quelques bugs visuels, mais c'est pas grave. Ça sera pour l'édition numéro 4. Laura, qui avait remporté l'édition numéro 1 et 2, remet ses couronnes en jeu pour l'édition numéro 3. En espérant, bah, ça devient la mascotte qui allait le plus loin possible. Je vous certifie sur ce que j'ai le plus cher, que c'est pas du tout truqué. Pour ceux qui se posent la question, parce que c'est vrai que dans l'édition numéro 2, quand elle avait regagné, les gens m'ont dit ouais, c'est manigancé, blablabla, on n'a aucun intérêt à le faire. Et puis en vrai, bon, c'est vrai que là, quand je parle avec Laura, ça fait 2 émissions qu'elle a gagné, forcément, j'ai plus de liens avec qu'un nouveau participant. Je préfère me justifier, les amis, même si normalement, j'ai pas à le faire. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'oublie pas les petits pouces, les abonnements, les commentaires, code créateur Valouz, les gars, c'est parti! Les amis, bienvenue dans un abonné en or numéro 3. Let's go! Maman! Vas-y, casse-le! Pépé! Oh, y'a des fans et tout! Mais c'est excellent, oui! Michael Jackson, il se passe! Une note sur 10 là, de ma petite danse là! Oh, mais t'es. 10 sur 10 carrément! Même le déguisement en plus, 10 sur 10. Allez, nous sommes là, les amis. Un abo en or, édition 3. Je le dis juste pour la vidéo, et vous, je vous l'ai dit avant. Il y a eu un bug sur la version, normalement, bah là, vous le voyez pas, vous, mais normalement, là, il est censé avoir du public. Et en fait, il est au-dessus. Je vois des petites mains qui dépassent. Il peut y avoir quelques petits soucis et tout, mais il y a le régisseur Vertigo qui sera là pour nous aiguiller un maximum. Verti, qui s'est tué dans cette nouvelle version. Hein. Juste, je vais dire bonjour à quelqu'un en particulier. Ça va, Laura? Ça va et toi? Bah ouais, ça va, hein. Laura, les amis, qui est la gagnante des 2 premières éditions. C'est un truc de dingue, en vrai. Et imagine, tu regagnes la 3e, là. Non, je pense pas, en vrai. Ce serait vraiment... Regardez, il y a qui avec nous? Chaque fois qu'il est dans mes vidéos, c'est une galère pour lui. Sait-on jamais, mon petit Miku? Peut-être que tu peux la gagner, celle-là. Ok, bon, bah, les amis, place à la question numéro 1, hein, écoutez. C'est parti. C'était un métier de rêve que l'on voulait faire en étant petit. Ok, alors j'ai juste une précision, enfin une question, moi je te pose une question, Verti. C'est quand on était petit, nous, ou genre, par exemple, quelqu'un peut répondre là à l'heure actuelle? C'est surtout, tu sais, parce que quand j'étais petit, il n'y avait pas les mêmes métiers que maintenant, tu vois. Je vais donner un exemple. De Discord, donc... Là, tu poses la question à un petit, actuellement, dans la rue qui a 9 ans. Il va te dire peut-être YouTuber. Mais YouTuber, ça n'existait pas, moi, quand j'étais petit. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas faux. Bon, peut-être que quelqu'un va tenter YouTuber, les amis. Je n'ai pas les réponses sous les yeux. Sélectionnez un joueur, le premier, Nathan. Nathan qui était finaliste, hein. Un habitué. Nathan, facile, facile. Toi, tu voulais faire quoi quand t'étais petit? Moi, acteur. Tu voulais être acteur? Ouais. C'est vrai que moi, j'ai une période où je voulais être acteur. Donc, je pense que je vais dire acteur, du coup. Tu fais confiance à ton enfance? Acteur, je pense que ça peut passer, en vrai. Acteur, ça passe, qui était numéro 7. Bien joué. Suivant, Swan. Je dirais footballeur professionnel. Footballeur, qui pour moi ça doit être le premier en vrai. Hein. Après c'est peut-être parce que je suis trop fan. Attention. Ça stresse. Oh, sportif. Du coup, ok, d'accord. Les footballeurs et tous les sportifs, ok, d'accord. Ça passe, hein. Ça élimine beaucoup de choses du coup. Tu sais, dans ma tête, j'avais footballeur, pilote de course. Bon, tout ce que je voulais être moi plus jeune. Moi, je voulais être. Je sais pas si c'est dedans, j'ai pas envie de vous influencer. Mais moi, je voulais être. Je vous donne les métiers. Hein. Je voulais être acteur à un moment. Je voulais faire des concours de nourriture. C'est pas une blague. Hein. Je voulais être architecte. Je voulais être astronaute. Je vous ai peut-être donné des réponses, mais je sais pas si c'est dedans. Un peu trop là. Ethan, ouais, c'est à ton tour. Alors, moi, je dirais policier. Policier, j'avoue. Ouais, Miku, un petit mot? Très beau choix. Non, mais c'est très beau choix. Policier qui est dedans, ok. Oh. Ok, Supergirl. Oui, je dirais pompier. Pompier, c'est vrai, policier, pompier, tout ça.
Oh, j'ai stress. Oh, qui est le premier pompier ? Premier. Oh, je rappelle, hein, vous pouvez taper la question, admettons, sur Google et tout, mais ça n'a rien à voir avec notre classement à nous. Hein. Nous, on a posé la question aux gens sur Discord. Donc, ça peut être pas pareil que ce qu'on trouve sur Internet. Hein. Mais pompier premier, ok, sur le Discord. C'est au tour de Miguelito, c'est ça ? Je l'ai mal dit. Miguelito. Ok, Miguelito, c'est bon, je vais plus me tromper. Ça va, Miguelito, tranquille ? Ça va, et toi ? Bah, ça va, hein. Petite réponse ? Ambulancier. Ambulancier. Ah, moi, je pense que c'est peut-être un petit peu trop technique. Ouais. Peut-être... J'allais dire une réponse, mais... Aïe, on aura peut-être le premier éliminé. Une chance sur deux, hein. C'est parti, bonne chance à toi. Oh, la musique. Aïe, c'est terrible. Alors là, c'est terrible. J'arrive vers lui, il se trompe et direct éliminé, le pauvre. Aïe. On a mis la petite prison juste au-dessus. Hein. Ça va, la cool room, elle est sympa quand même. Des petits canapés et tout, tu peux te détendre. Hein. Bon, je suis toujours gêné quand il y a le premier éliminé, mais c'est comme ça, hein, c'est le jeu. Hein. Mon petit Pimpus, une petite réponse peut-être. Tu voulais faire quoi, toi ? Ouais, bah tu l'as dit tout à l'heure. Moi, astronaute. Astronaute ? Oh non. Et du coup, tu dis astronaute, ok. Ok, astronaute numéro 2. Alors que les gars, frère, tout le monde voulait être astronaute quand on était petit, il y a personne qui est astronaute. C'est tellement le métier dur. C'est un truc de fou, ouais, parce que tu sais, genre, autant pompier, policier, sportif ou autre, c'est possible. Astronaute, c'est vraiment, vraiment dur. Hein. Lupin, c'est à ton tour. Là, c'est vrai que ça commence à être ric-rac. Hein. Il reste 3 réponses, les amis. J'hésite entre... Bon, je vais donner peut-être une réponse, mais entre professeur et docteur. Ok. Et personne du coup a osé tenter youtubeur. Hein. Je sais pas si c'est. On a posé la question au Discord. Hein. Ouais, non. Je vais dire professeur. Professeur. Ah, pour moi, professeur, ça devrait passer en vrai. Je pense. Hein. Ouais. T'en fais esprit, t'as crash. Oui. Oh putain. Est-ce que je peux relancer mon jeu pour revenir ? Ah bah, frérot, je pense que là, il y a eu la sélection naturelle. Hein. Je peux pas. Je suis désolé, je peux pas. Ah ouais, je peux vraiment pas relancer, frérot. Aïe, est-ce que t'aurais dit quelque chose ? Vas-y, dis-moi. T'aurais dit quoi sur docteur. La... T'aurais dit docteur ? Docteur. Ok, vas-y, on l'attente, comme si c'était toi. Mais non, c'était ma réponse. Je suis content. Ok, même le jeu, il veut pas. Il y avait pas docteur, frérot. Il y avait pas docteur. Donc, Attends, est-ce que dans ma plaque, tu peux tester si je meurs ou pas, genre C'est où ta plaque ? C'est quoi ton pseudo dans le jeu ? C'est le violet. Ah, allez, vas-y, hop. Si j'ai mort, c'est que vraiment j'ai pas eu de chance et du coup, ben. T'es pas mort, gros. Non, t'es pas mort. Non, et bah, tu sais quoi, vas-y, attends, tu sais quoi, reste sur le vocal et si ça retombe sur toi, je te reposerai la question, ok ? Ok, vas-y. Vas-y. Donc, suivant. En fait, du coup, il a gratté son tour en fait. Ok, oh lolo, là c'est dur. Laura, il reste 2 réponses, Laura. Aïe, faut pas que tu sois éliminé maintenant. Je meurs là, maintenant. Oh là, c'est la clim. J'ai misé beaucoup sur toi. Hein. Non, faut pas trop. En vrai, je vais dire chanteur. Chanteur. Ah oui, j'avoue, c'est vrai. Ouais. Hein. Pidi, vous voulez être chanteuse quand t'as été petite. Bah, elle a réussi. Oh lolo. Ouais. Ah, parfait. Bah, c'est vrai qu'elle a entre guillemets réussi. Ouais, c'est vrai. Bah oui. Suivant. Aïe, ça va être dur pour toi. Hein. Mez. Ça va, là je suis un peu stressé. Là t'es dans la merde. Hein. Après, c'est la réponse numéro 3, donc normalement ça devrait être logique. Après, je t'avoue, je l'ai pas forcément moi. Bah, tu vois, je voulais penser à médecin, mais ça se rapprochait un peu plus de docteur. Ouais, pour moi c'est pareil, médecin et docteur. Hein. Après, je sais pas, hein, mais. Franchement, pour le beau jeu, j'ai envie de le tenter. Pour le beau jeu, j'ai envie de le tenter, youtubeur, mais je sais pas. Oh. Tu le tentes ou pas ? Franchement, on a qu'une vie, vas-y. Et bonne chance à toi. C'est beau. Est-ce que youtubeur, c'est dans les métiers de rêve ? Non. Attends. Oh oui, putain. Et en plus, l'animation, elle est éclatée quand vous savez faux. Ah ouais, normalement, c'est sur la version d'après. Verti, il avait mis une petite croix et tout. Il avait mis un truc stylé, mais bon. Bon, youtubeur, malheureusement, ça passe pas. Et si tu tombes, je vais m'en vouloir. Mais on a qu'une vie, hein. Désolé, gros. Hein. Bonne chance. Au moins, tu m'entendras plus en égo. Oh, t'es encore là. T'es encore là. Oh, chanceux, hein. Une chance sur deux, je le rappelle. Hein. Bah écoutez, les amis, j'avoue que c'était... Attends. En fait, on l'a même pas. Est-ce qu'on a fait le tour ? Non, on n'a pas fait le tour parce que je l'ai pas encore interrogé, Léa. J'ai pensé à vétérinaire. C'est vrai, quand t'es jeune, il y a beaucoup de gens qui veulent faire vétérinaire. Tu voulais faire quoi, Valouz, quand t'étais jeune ? Mais t'es là, qu'est-ce que...
Vétérinaire, ça passe. Ma question, je l'ai dit avant. Ok. Ça passe, bah bien joué, hein. Bien joué à vous tous. Du coup, on a que deux éliminés. Non, on a que un éliminé. Ah, le pauvre. Il est tout seul dans sa série. Ah, mais moi, je compte pas. Ah non, mais est-ce que je compte toujours comme joueur? Tu comptes toujours comme joueur, t'inquiète, t'es là, gros. Hein. Bon, bah, bien joué, les amis. Et puis, bah, place à la question numéro 2. Verti, pense à bien faire le reset. Ouais, t'inquiète. Verti qui appuie sur tous ces petits boutons. Les amis, nouvelle question. Citez un pays de destination pour des vacances. Oh. Alors là, c'est... Il n'y a pas question plus random, parce qu'en vrai, ça peut être tout pays, tu vois. Wow. Mais c'est les pays qui ont été le plus cités. On va commencer par... Mon petit Miku. Ouais, ouais, ouais. Ça va? Enfin, moi, je suis dans les premiers. Eh, hey, Miku, tu m'avais dit quoi comme métier, juste avant? Moi, en vrai, tu m'aurais interrogé, j'aurais dit pilote. Attends, mais je t'ai même pas interrogé, en fait. Non, tu m'as pas interrogé. Ah ouais, t'as eu de la chance, ils ont trouvé avant, en fait. Ouais, mec, je suis trop chat. Et en plus, moi, j'aurais dit pilote de course, donc... Ah ouais, tu te serais fait avoir. Pour cette question, toi, t'aimerais bien partir où en vacances? Bah, mec, je pars en Tunisie dans 2 mois. Ok. Donc en vrai, déjà cool, tu vois. Est-ce que t'as envie de le tenter? Un pays de Non. T'as pas osé. Un pays de destination pour mes vacances. Moi, en vrai, un truc, je vois Grèce, tu vois. La Grèce, c'est bien, c'est beau. Ouais, c'est sympa là-bas. C'est vrai que c'est sympa. Moi, j'ai déjà été en Grèce. C'est vrai que c'est sympa. Bonne chance à toi. Merci. Oh putain. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible parce que t'as même pas de suspense. C'est tu te prends un taquet sur la tête direct. Mais tu verras que je vais être éliminé. Attention, Miku, pour sa première réponse. Et en plus, frère, attends, t'as fait aucun effort, hein. Le tableau, il est vide. Mais il y avait quoi? Le tableau, il est vide. Bah ouais, il y a des pays tellement plus... J'ai eu que Grèce. J'ai eu que Grèce. Ouais, tu mérites l'élimination, je te le dis honnêtement. Salut à tous. Et voilà. Ah. Et voilà, la saucisse qui tombe. Voyage, Miku. Ça va, Miku? Tu t'es amusé? Mec, trop bien. Voilà, c'est exactement ce que je disais quand j'ai fait la présentation de Miku. C'est à chaque fois qu'il est là, il se passe une cata. Je gagne jamais rien. C'est pas quand c'est la prison. Eh Miku, si tu veux, tu peux faire des petites blagues et mettre un petit peu l'ambiance de temps en temps. Bah franchement, moi j'ai même pas envie. Y'a quelqu'un qui a flop? J'ai dit c'est vacances, c'est la prison, enfin sa destination de vacances. Ah, c'est même pas flop, c'est que je t'ai pas entendu en vrai. C'est parti. Ah bah tiens, regardez c'est qui? Ramzo. Ah. Oui. C'est ton tour. Tu veux que je te répète la question? C'était un pays de destination pour les vacances. Pour les vacances? Ouais. J'hésite, mais j'ai pas envie de le dire parce que sinon il va voler ma réponse. Mais non, mais c'est à toi de répondre en fait là. Donc, c'est quoi, je vais prendre le risque, je vais dire Dubaï. Dubaï, c'est une ville? Ah, mais oui, ah non, mais je crois mettre le Maroc, pardon, le Maroc. Ah, bah ouais, mais frérot, nous on a validé Dubaï, hein. Et malheureusement, c'est faux. Bah, bonne chance à toi, hein. T'as déjà eu une chance une fois. T'entends jamais, hein. Imaginez, il gagne. Mais t'es encore là? Oh. Mais vas-y, mais d'ailleurs, comment ça se fait que t'es encore sur le jeu alors que t'as crash? Là, t'as quoi sur ton écran? En fait, je t'explique. En fait, mon jeu, il s'est enlevé et genre, je vois plus le Fortnite là dans mon PC, dans mon écran. Genre, il y est plus. Et si tu cliques sur l'onglet, il revient, non? Non, en fait, même dans les applications arrière-plan, je le vois pas. Putain, mais c'est incroyable que je te vois encore en jeu en vrai. Bah, félicitations, t'es encore en jeu, gros. Bah, putain, ce qui non, est pas mort, c'est qu'un mec qui est même pas sur le jeu survive 2 fois et moi pas. Il a trop le démon. C'est au tour de Imas. Oh, je suis pas passé aussi le tour d'avant. Ah, du coup là c'est les retardataires. Du coup j'hésite entre 2 pays. Il va falloir prendre une... Je vais dire les États-Unis. Les États-Unis qui me paraît pour moi hyper logique en vrai. Ouais, c'est gros. Ça devrait être le numéro 1 même, non? Ok, c'est le dernier. Oh, j'ai eu chaud. Oh, t'es chaud. T'es chaud de ouf, chat. Putain. C'est au tour d'Ethan. Alors moi, je dirais le Maroc. Le Maroc. Ok. Mm. En vrai, ça me paraît être une bonne destination de vacances. Ouais. Maroc qui est dedans. Maroc. Bien joué. Le Maroc, il n'y a pas la Grèce. Oh. Bah, ouais, c'est... Non, mais là, c'est tout. Jusqu'à la fin du tournoi, je suis vénère. Non, c'est vrai que la Grèce, en vrai, de vrai, ça aurait dû tomber. Ok, c'est au tour de Laura. Espagne. Espagne. Oh, ouais. Espagne, logique, hein. Est-ce que vous pensez qu'il y a la France? Espagne, numéro 1, hein. Bien joué, hein. Let's go. J'avoue, je suis en train de me poser la question, est-ce que vous pensez qu'il y a la France? Qu'on peut dire la France? Bah, faut le tenter, je pense, mais je sais pas, hein, faut avoir les couilles. Supergirl. Le Portugal. Le Portugal. J'ai jamais été au Portugal, moi, perso. Aïe, y'a pas de Portugal. Ah, je vous ai dit, en vrai, en plus, plus on va avancer dans cette question, plus ça va être random. Parce que Portugal, ça fait partie de... des destinations en vrai, hein. Oh. Et vous êtes plutôt chanceux pour le moment, y'a que Miku, y'a trop le seum. Ah, vas-y, me parle même pas, j'ai trop le seum, gros. Pour ça qu'on Miku, on est pas ensemble. Ah, c'est exceptionnel, attends, Ramso, on l'a déjà questionné, là, je sais quoi ce délire. Ok, place à Swan. Moi, je dirais Italie. Italie? Bah, si l'Espagne est passée, normalement, l'Italie devrait passer en vrai.
L'Italie qui passe, bien joué. Oula, ça commence à se resserrer là. Hein. En fait, j'ai beaucoup de pays en tête, mais bon, je connais pas la logique des gens. Hein. Lupin. Je dirais le Canada. Le Canada. Oh, risqué, mais tenté. Ah, ça dépend. En vacances d'hiver, Canada, c'est pas mal. Hein. Ouais. Aïe, terrible. Et le buzzer qui est vraiment traître en plus. Hein. Je te dis, t'as vraiment pas de suspense et tout. Hein. Bon, bah, bonne chance à toi. Et si lui, il meurt pas, je rage quitte. Oh, il est sauvé aussi. Mais attends, mais c'est incroyable par contre. Hein. C'est n'importe quoi. C'est un truc de dingue à chaque fois comment vous êtes sauvé. Hein. Vous avez de la chance. Hein. T'aurais dû être à Miku, regardez. Il y a son truc qui s'est éliminé. Pimpus. Mon petit Pimpus avec ton petit ukulélé. Toi, c'est Tahiti, non? Bah, moi, j'irais les Maldives. Les... Oh. Wow. Oh. Et je le rappelle, on a posé la question au Discord. Hein. Après, on sait où tu veux partir, Pimpus. On sait que t'as besoin de soleil et t'aimerais bien partir aux Maldives. Mais ça passe pas. Regardez, comment, regardez comment l'équipe Good Night, ils se font bully. Mais c'est un truc de malade. Mais c'est un truc de malade. Hein. Je le rappelle, hein, si on a fait toutes les questions, il y a 5 questions en total ce soir. Si on a fait toutes les questions et qu'il y a plusieurs gagnants, bah vous gagnez tous 20 euros. S'il reste un seul vainqueur, c'est 50 euros. Oui. Je suis de retour. Genre, c'est bon, j'ai plus crash, je suis là. T'es dans le jeu, là? Let's go. Oui, là, toi, t'es là pour mettre le seum à Miku, toi, ouais. Ouais, bah, la prochaine fois, hein. Oh, pardon. Ah, je suis mort de rire. Ok, suivant, c'est ici même... Mez. Je dirais la Suisse. La Suisse. Bon, de toute manière, là, c'est random, hein. Mais moi, personnellement, j'y crois pas. En vrai, pour le ski. Aïe. Ouais, c'est vrai pour le ski, mais tu vas plus dans les Alpes, non? On a vu que pour le ski, les gens ils pensent au soleil, hein, puisque le Canada c'est pas passé. Ouais, c'est ça. Bonne chance à toi. Aïe. Bon, t'as été chanceux une fois, mais pas la deuxième. Hein. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, vous préférez quoi, les vacances au soleil ou à la neige, vous? À la neige. Soleil. À la neige. Moi, je préfère le froid. Quand t'as chaud, tu peux rien faire. Mais Miku, t'es mort, t'as pas besoin de raconter ta vie. Ah merde, non, vas-y, continue. Il va vraiment faire des cauchemars, le pauvre. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Quand t'as froid, tu mets un manteau, voilà. Tu peux avoir chaud. Quand t'as chaud, t'as du mal à te réguler. Quand t'as chaud, t'es fatigué, t'arrives à rien, il fait trop chaud. Après, quand t'as fait une dure année et tout, petit soleil avec la famille, petit cocktail, ça fait du bien quand même. Mais je préfère, ouais, c'est vrai que moi je préfère l'hiver. Ok, place à Nathan. Ça va quoi, Nathan? Tranquille. Moi je vais dire le Japon. Le. Oh, ouais. J'y avais pas pensé. Ouais. C'est vrai que le Japon c'est dans une top destination, je pense. Hein. Aïe, y'a pas le Japon, mais ils ont mis quoi? Attends. Mais ils connaissent que l'Europe, les gens du Discord ou quoi là? Enfin, je dis ça, y'a le Maroc et les États-Unis. Ah, bonne chance à toi, Nathan. Ouh, le petit coup de pression. Ok, Léa. Alors, je vais tenter le Mexique. Le Mexique, toi, c'est des vacances des croutons, en fait. C'est ça. Mais en vrai de vrai, c'est vrai que... Mais c'est vrai que c'est logique, en plus. On a posé la question aux gens du Discord, quoi qu'il n'y a pas eu le Canada. Hein. Mais Mexique, Maroc, bah bien joué. Hein. Maroc-Mexique, ouais. Bon, ça a commencé à devenir dur, là, hein, pour les suivants. Oh, bah, tiens, ça tombe encore sur toi. Bon, les amis, on vous a regroupés, comme ça, en gros, ça reprend aléatoirement, parce que c'est vrai que ça pouvait retomber sur vous. Ethan. Alors, moi, je dirais l'Afrique. L'Afrique. Comment ça, frérot? C'est un continent. Comment ça, frérot? Moi, j'irai l'Europe. Moi, j'irai la Terre. J'irai la Thaïlande. Ok. Bah, en vrai, bien. Thaïlande, bien. Ouais. On t'a quand même bien aidé, hein, avec l'Afrique, gros. La Thaïlande, ça passe. Les gens du Discord veulent partir en Thaïlande. Hein. Ok. Imas. Bonne chance, frérot, parce que là, j'avoue que moi, j'en ai plus, là. Enfin, si, j'ai des pays, tu vois, mais... C'est dur. Ouais, c'est dur, hein. J'hésite entre deux. Entre... Un ou deux, Valouz. Je te dirais deux. L'Égypte. L'Égypte. Pas mal, l'Égypte. En vrai, c'est vrai, hein, les pyramides, tout ça. Masterclass, hein. Oh, par contre... Merci, Valouz. Oh, les gars, là, ça va tomber sur quelqu'un, bonne chance. C'est tombé sur Nathan. Encore? Terrible, Nathan. Bah, rien, on a fait le tour, hein. L'Angleterre. Ouah, frère, frère, tu pars pas en vacances en Angleterre. Tu pars... Aïe. L'Angleterre, des vacances, tu vois. Ça sonne pas vacances. Tu pars en Angleterre visiter le pays, mais tu pars en vacances en Angleterre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bon, Nathan, bonne chance à toi, mon frérot. Attention. Ah
Aïe, il est tombé, les amis, il est tombé. On a perdu Nathan, qui était le finaliste de l'édition numéro 1. Ok, suivant. Supergirl. Mais attendez, mais cette question, c'est moi ou elle est hyper dure parce que c'est que la deuxième, là? Ouais, c'est que la deuxième, ouais. L'Australie. Je pense que j'aurais dit l'Australie aussi, en vrai. En vrai, non. Bah, l'Australie. Les araignées, non. Oh non, c'est pas l'Australie. Aïe. Terrible. Bonne chance à toi. Je peux pas appuyer sur ton bouton, what the fuck. Je peux pas appuyer sur ton bouton. Fais sur un bouton à côté au pire. En vrai. Et en vrai. Vas-y, bah j'active celui-là. Ah bah oui, c'est vrai. Oh là là. Ok. Oh. Bah voilà, oh, bah t'as survécu. Félicitations, t'as survécu. Mais ouais, y a quelques petits soucis, les gars. Hein. Je le répète, c'est pas la version finale et on avait pas le choix de jouer 0, sur celle-là. Hein. Ouais, bah c'est pas grave, hein, on fait avec. Hein. En vrai, ça fonctionne. Oh, il reste combien de personnes d'ailleurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il nous reste 3 questions, c'est ça, Verti? C'est ça. Ah, je pense qu'en vrai de vrai, je vais m'arrêter là. On va essayer de chercher tous ensemble le dernier pays. Mais comme ça, il n'y aura plus d'éliminés. Comme ça, on passe à la question suivante. Calme-toi, gros. Attends, il a pété un câble. Il a dit quoi? Donc, il a hurlé, le frérot. Je sais pas, il a en hurlé. France, je crois. Eh, vas-y, venez, on teste la France. Vas-y. Moi je pense que c'est la France, hein. Turquie. Et justement c'était celui que j'hésitais. Ouais, France, Verti, oui, non. Mais moi... La Turquie. La Belgique. Ok. Moi j'irai le Brésil. Ok, France, non. Ah, bah, et moi j'ai une question mon petit Val. Ouais. C'est quoi ta destination de rêve, toi? Bah en fait, en gros, j'ai déjà visiter les pays que je voulais réellement visiter. Tu vois, moi, c'était le Canada. Mais là, du coup, de ce que j'ai pas fait, ça serait l'Australie. Okay. Où j'aimerais bien faire Tahiti, en vrai. Est-ce qu'on peut tester le... Non, mais Tahiti, c'est un état. Mais bref, on peut tester le Japon ou pas? On l'a déjà testé, le Japon, frérot. On l'a déjà testé. Et le Brésil. Ah, le Brésil, genre. La Belgique. Non, la Belgique, j'ai entendu quelqu'un. La Belgique, les frites, la fricadelle. Oh, c'est le Brésil. C'est le Brésil, ok. Ok. Très bien. Oh, oh non. Pour vous, quel est le joueur de football le plus connu au monde? Facile. J'espère que je passe. Eh, hey, Laura, ça va, t'es forte au foot, première, non? S'il te plaît. Pas du tout, s'il vous plaît. Ok, premier, Swan. C'est juste à côté de toi, en plus, Laura. Cristiano Ronaldo. Bon, normal, je suppose qu'il y aura, voilà, les... Premier. Oh, troisième. Troisième. Ah ouais. Ok, très bien. En vrai, ça m'étonne pas. C'est au tour de Lupin. Je dirais Messi. Bon. S'il n'y est pas dedans, franchement... Prends pas de risque, frérot. Hein, prends pas de risque. Bien deuxième. Ok, bah ok, je vois qui est le premier, du coup. Aïe, c'est passé à toi, Laura. Imas. Bah, Mbappé, hein. Mbappé. Ouais. Ce sera sûrement mon numéro 1, on a posé la question au Discord. Ouais, je pense. Mbappé, ok, bien le trio, sûr. Le trio, les amis, a été dit. Et je pense avoir le quatrième. Tu penses avoir le quatrième? J'en ai plus un. C'est Ramso. Ok, Maradona. Hop là. Maradona, hop là, est confiant. Hein. Oh. Eh, t'as posé la question au Discord, hein, Maradona, on sait jamais. Oh, Maradona, ah oui, est dedans, ok, d'accord. En fait, pour le moment, c'est les légendes. Oh, Laura, petite chance quand même. Laura, il y en a quand même un très gros que tu dois connaître. Je sais pas. Non, dis pas ça. Non. Mais je suis pas le foot, moi. Je sais pas qui dire. Non, je dis si vous voulez, je peux l'aider. Donne-moi. Si t'as envie de l'aider, si pour toi tu veux l'aider, tu peux l'aider. Ah ouais? Bah ouais, mais si ça retombe sur toi, t'es dans la merde. Hein. Ah, ok, je t'aide pas. Ah, ok. J'ai une idée, je vais dire. Zinedine Zidane. Voilà. Pour moi, c'est sûr qu'il est dedans. Imagine, il est pas dedans. Ah là là, le Zizou. Merci. Bien sûr. Bien joué, hein, Laura. Tu l'as échappé belle, là. Hein. Merci. Ouais, grave. Ethan. Alors moi, je dirais Pelé. Pelé? En fait, c'est pas les plus connus, c'est les légendes, en fait. Ouais. Donc, Edson oui. Arantes do... Hein, quoi? Do Nascimento. Il s'appelle comme ça, Pelé. Sérieux? Ouais, il s'appelle Edson ou Edison? Edson. Putain, j'avais même pas. Edson Arantes do Nascimento. Excellent. Ah, ouais. Bah, bien joué. Place à Supergirl. Salvador. Je dirais Eden Hazard. Eden Hazard. Ça me fait plaisir qu'on cite Eden Hazard dans ce classement-là. Mais en vrai de vrai, aïe. Même moi j'y croyais pas trop. Hein. T'es de Belgique? Oui. Ah mais c'est pour ça. Eh, normalement on aurait dû le mettre dedans, Eden Hazard. Notre bon vieux Eden. Pourquoi? Parce qu'il était formé à Lille. Terrible. Bon, je vais devoir appuyer sur le petit bouton à côté. Attention. Aïe. Échappe, réapparaître. Oui. Ah, c'est pas la même animation, mais voilà. Bah désolé, hein, Eden Hazard, j'aurais dû te donner un joker. Hein.
Eh bah, j'ai une question. Vas-y, dis-moi. C'est qui pour toi ton préféré là? Dans le classement? Non, là, dans les restants joueurs participants. Ah, les participants, vous? Oui, tu crois en qui? Ah, bah, moi, je vais croire en Laura, moi. Favori. Croire en Laura, moi, les gars. Ah, je veux une troisième victoire, hein, jamais 203. Hein. Merci. Et peut-être toi, Ramso. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Attends, mais je suis d'accord quand même. Mais frérot, t'inquiète, je te vois loin, gros. Léa, c'est à ton tour. Ouais, j'hésite entre deux. Bah, je vais dire Benzema. Benzema, ah ouais. Benzema. Ça se tente, ouais, Benzema, ça se tente. Benzema, ça se tente, hein. C'est le quatrième. Ça se tente. C'est le quatrième. Oh merde! Bah attends, Benzema n'a pas été dit. En vrai, je attends, pense Benzema neuvième. N'est pas dedans? La commune n'a pas choisi Benzema. Dis-toi qu'il y a certains joueurs, ça joue à un point ou un truc du style. Non, mais vraiment. À y a un pas Benzema dedans, attends, quoi? En fait, je pense, les gens, je vais le dire, hein, mais les gens, je pense, ils ont plus tourné la phrase dans le sens où c'était les légendes du football, en fait. Ok. Donc pour toi, Benzema n'est pas une légende, Vertigo? Si, mais je pense que les gens, direct, quand tu dis légende, tu penses... Ouais, c'est pour ça qu'il y a Maradona. C'est vrai que moi, je pensais pas qu'elle allait avoir les anciens marqué, comme ça. Quoi. Moi, je pensais que Benzema c'était l'a bien marqué, mais genre... Terrible. Franchement, pas de chance, parce que... Eh, moi, j'aurais pu dire Benzema, je le dis sincèrement. Heureusement que j'ai pas donné la réponse à Léa, parce que j'avais dit Benzema. Aïe. Ah, t'allais dire Benzema en plus? Oui, j'allais dire Benzema. Terrible. On fait quoi, Verti? Tu penses qu'on skip la question, on essaie de trouver tous ensemble ou... Bah, en vrai, ouais, je pense que c'est mieux à faire. Ouais, hein. Comme ça, en gros, vas-y. Il reste deux questions derrière. Ok, donc, Laura, t'aurais dit Neymar. Ouais. Bah oui, là. Bah, Ney, ouais, bon, y'a pas Benzema donc. Ouais, Ney, c'est le numéro 4. Bon, c'est des parigots en fait sur le Discord. Je pense avoir le 8ème. Ouais, tu veux dire quoi, Ramso? Est-ce que Thierry Henry, en vrai, ça passe, non? Bah, en vrai, c'est un top joueur, mais. Tu vois, y a pas eu Benzema, je vois pas pourquoi y aurait Thierry Henry. Je pense avoir le 8ème. Moi, je dirais peut-être. Très, très dur. Moi, je dirais peut-être Griezmann. Moi, je dirais Haaland. Ouais. Zlatan. Ah, putain. Oh, Zlatan. Zlatan, moi. Zlatini. Moi, je dirais Haaland. Ça, c'est du coup, c'est un nom pour quoi, Verti? Ah, bah, pour tout ce que vous avez dit. D'accord. Non, bah. Non. Non, ouais. Le dernier, il est vraiment très, très dur. Un indice. C'est quoi, c'est un ancien? Un indice, je peux dire le pays, au pire. Ok. Vas-y. Brésilien. Ronaldo? Ah, Brésil. Bah, Ronaldo, ouais. R9? On l'a pas dit. Mais Ronaldo, il dit. Ouais. Oh putain, ouais, c'était Ronaldo. Ah oui, bah ouais, les gens l'ont vraiment perçu en mode qui ont été les légendes du football. Ouais. Et pas c'est les plus connus. C'est pour ça que j'ai dit comme quoi c'est ça. Ouais, ok, d'accord, ok. Ok, très bien. Bah, bien joué, 6 vainqueurs, les amis. Il reste plus que deux questions. Peut-être un 50 balles hein, parmi vous. Et Laura, toujours là. Toujours là. T'es passé avec Zizou et après, en plus, t'as proposé Neymar. Ouais, t'as vu ça en plus. La confiance de ouf. Je suis mort de rire. Elle était paniquée au début, là, à trouver deux. Question suivante, mon petit Vertigo. Quel est le repas préféré des Français? Ouh, c'est vague. C'est vague. C'est super vague. Putain, je me demande c'est quoi le premier. Assez dur les questions aujourd'hui. Ah, moi j'en dis un comme ça, peut-être burger. Est-ce que je me suis mouillé ou pas? Les amis, bah, j'avoue, burgouze, c'est pas burger, burgouze. Alors, place à Imas. Oh non, mais pourquoi? Ça va, frère. Il y a toutes les réponses là. Mais j'en sais rien. Mais vaut mieux être pris maintenant qu'à la fin. Burger, hein. Un burgouze, il a dit. Allez, let's go! 4 game burger? Voilà. Mais attends, mais pour moi, burger, c'est premier. Hein. Faut pas préférer, non. Ok, d'accord. Ah, c'est parce que c'est burgouze en premier. Swan! Un raclette. Raclette? Ouais, ça vous, j'avoue, ça doit être dedans, raclette. Hein. Ouais. Numéro 2 devant les burgers? Waouh! Ouais! Mais hey. Bonne raclette, c'est incroyable. Lupin! Burger est passé, je peux lui dire pizza. Pizza? Ça devrait être peut-être le numéro 1. Hein. Troisième pizza. Pizza devant burger. Hein. Vous préférez les pizzas ou les burgers, vous? Burger. Bah, burger de fou. Moi, je suis quand même... burger. J'avoue, je suis burger au-dessus, moi. Même si j'adore les pizzas. Laura, c'est quoi ton repas préféré à toi? Bah, moi, c'est les escalopes à la crème fraîche et la purée de ma grand-mère. Donc, Ah, vous voulez pas que tu le dises? Sauf si ta grand-mère a un restaurant. La grand-mère. Non, mais après, j'avoue, la purée de la grand-mère. Incroyable. Et c'est le repas préféré de Bouzy. La purée de la grand-mère. Non, je le dirai pas. Laura, dis-le, t'inquiète. T'as vu que je perds d'ici, là. Non, en vrai, je vais dire un truc simple, hein, pas de bolo. Pas de bolo, ça devrait. Ah, ouais, pas de bolo. Ouais, je sais pas. Hein. Je pense que ça va être carab. Ouais, moi j'ai plus. Aïe. Ah, my bad. Est-ce que c'est la fin? Comment ça, my bad? Non, parce que les pâtes, c'est sûr, ça passe. Le coup en vrai, de pression je dedans. Oh, combien de ces coups de pression? Merci. Et en vrai de vrai, ok, c'est parce qu'il y avait que pâtes. Putain, t'as eu de la chance, hein. J'étais ouais. Attends, tu sais quoi, je vais appuyer sur le bouton pour voir si t'aurais été éliminé. Putain, j'allais te demander en plus.
J'aurais été supprimé du jeu. Et j'aurais dû te supprimer parce que moi je préfère les pâtes carbo que les pâtes bolo en vrai. Non, bolo c'est meilleur. Ouais, là, ah ouais, vraiment. Ethan. Les frites. Les frites, c'est vrai qu'on l'a pas dit les frites. Après, est-ce que c'est un repas, les frites? Bah. Il y a pas les frites. C'est compliqué de le valider en fait. On va dire. Oh, ça veut dire qu'il y a. Parce que des frites, c'est juste. Ouais, c'est comme si tu mettais juste pommes de terre. Voilà, c'est ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Aïe. Bon, vous savez qu'il y a frites quelque part en tout cas. Hein. Ethan, bonne chance à toi. Être éliminé sur les frites, c'est quand même dommage. Hein. C'est dommage, ouais. Ouh, la clim. Ouais. Là, c'est la clim. Hein. Être éliminé sur les frites en repas préféré des Français, c'est dur. Et là, je stresse là. Ah bah les gars, là on approche la fin. Hein. Ok, Ramso, c'est à toi. En vrai, ce que je mange tous les jours, c'est un bon tacos. En vrai, si pizza burger c'est passé, tacos ça devrait peut-être passer. Ouais, moyen. On a posé la question au Discord, c'est des jeunes. Ça peut passer en vrai. Attends, Balouzi, faut que je t'envoie un message sur WhatsApp. Pourquoi c'est pareil que les frites? Des frites ou pas, là? Genre, en vrai, est-ce qu'il y a des frites dans le tacos? Tacos frites. Ah, c'est pas tacos. Ah. Bah oui, parce qu'en soi, normalement, oui. Ah, bon, ce que je veux dire. Pour moi, c'est pas réellement la même chose en vrai, Verti. Bah ouais, mais quand non, tu. Ouais, mais le mec aurait écrit tacos. Ouais, c'est vrai. En fait, sachez que tacos n'est pas dedans. Donc j'ai cassé le suspense. Mais en fait, il y a quelque chose qui peut potentiellement s'y rapprocher. Voilà. Hop, mais... ta petite animation. Ah, bah. Mais pour moi, c'est pas la même chose. T'as bien fait de me demander en vrai, Verti. Mais vous le verrez à la fin, c'est quelque chose de logique. Pour moi, ça fait pas partie de la même. Je vous poserai la question après, hein, justement, si pour vous ça fait partie de la même catégorie, mais pour moi ça fait pas partie de la même catégorie, Verti. Désolé, Ramso, c'est peut-être la fin pour toi sur un tacos. Faut manger des fruits et des légumes, hein, Ramso. Yes. Il a trop de chance. Et lui, il a trop de la chatte. J'ai juré, il a trop de la chatte, frère. Son jeu, il crache. Au final, il reste là, il arrive à récupérer. Frère, t'as trop de la chatte. Tiens, bah, donne-moi ton PayPal, je vais t'envoyer 50 euros, gros. Bordel. Le type avait 3 rounds qu'il a éliminé, 3 rounds qu'il a repêché. Swan. Ouais. Voilà, du coup, on a fait un tour. Du coup, je dirais Faritas. Ouais. Après, je sais pas. Ah, Faritas. Ouais. Si tacos n'est pas passé, pour moi, Faritas devrait pas passer. Aïe. Mais par contre, tes Faritas, c'est bon. Moi, je valide fort avec un petit guacamole. Ça me donne faim. Bonne chance à toi. Merci. Non, mais en fait, il y a que Ramso qui a le droit à la chance, en fait. Il a épuisé tout le quota de la chance. Wesh. Non, vraiment, je te jure, trop chanceux. Incroyable. Je pense que la map, elle m'aime bien. On est 4, écoutez. Oh, il reste quand même pas mal de réponses en vrai. Hein. Je vais attendre un dernier éliminé, ok? Et ensuite, on passera à la dernière question. Mm-hmm. Et ça tombe sur Imas. Imas, un petit repas. Et il y a toujours le numéro 1, wesh. C'est quoi le numéro 1? Mais de ouf. C'est quoi? Les gens, ils ont pas mis McDonald's quand même. Numéro 1, je vais te le dire. C'est ce que je pensais en plus. Big Mac. Numéro 1, c'est des Grecs. Des Grecs, du coup, c'est quoi? Ah, kebab, j'avoue. Putain, mais oui, j'avoue, ça n'a pas été dit. Du coup. Ah, bah, c'est ça. C'est pareil. Ah non, pour moi, c'est pas pareil que. Attends, mais les gens ont pas mis kebab, Verti? Bah non. Mais attends, quoi? Ils ont pas mis tacos et pas mis kebab? Tu m'as renvoyé un truc? Mais ouais, bah non, pour moi ça fait pas partie de la même chose. Comme ça aussi, hein. Ouais, mais les gens, ils mettent kebab. Bah si. Bon, on va faire un vote à main levée. Okay. Parce que là, les amis, j'ai pas envie de prendre la responsabilité. Donc kebab, normalement, n'est pas dans la liste. Comme le tacos n'était pas dans la liste. On est d'accord que tacos et kebab, c'est pas la même chose, les gars. Ouais, c'est pas la même. Je vais devoir sauter la réponse parce que c'est vrai qu'elle est. En fait, en gros, il y a la réponse sandwich. Hein? Mais sandwich, on est d'accord, c'est pas un kebab. Non, c'est vraiment. C'est pas un tacos. Tu verras que ça serait écrit sandwich. Pour moi, un sandwich, c'est plus un jambon fromage, tu vois, ou un sandwich en fait. Ouais, mais... Malheureusement, même au McDo, c'est un sandwich McDonald's. Ouais, frère, ouais, non, tu prends un burger. Partout, pour moi, ouais, un sandwich. Pour moi, le sandwich, quelqu'un qui répond sandwich, d'ailleurs, c'est le numéro 1 ou pas du coup, Verti? Non. Pour moi, sandwich, c'est le sandwich que tu vas chercher à la boulangerie. Un sandwich avec du pain et d'une mais baguette. C'est un terme qui est utilisé aussi dans les sandwichs kebab. Ah, mais moi, là, comment je le lis, c'est ambigu. Moi, comment je lis. C'est pour ça, là, c'est ma défense, quand je vais à la boulangerie, je prends un sandwich au kebab. Il essaie de sauver son cul, je suis mort de rire. La vérité, c'est vrai en plus. Laura, est-ce qu'on accepte ou pas? Oui ou non? Bah, je suis désolée, mais moi, je trouve que sans doute ça n'a rien à voir. Donc, ok, moi, c'est un non. En gros, t'as envie de gagner. Lupin, on accepte ou pas? Pour moi, j'accepte parce que la définition de sandwich, c'est une tranche de pain avec des aliments à l'intérieur. Ok, donc un partout, donc c'est Ramson qui va trancher.
Ramso, est-ce que tu veux... Ramso, écoute. Tu as le destin... T'as le destin de Imas entre tes mains. Eh, tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Je suis généreux, je dis oui. C'est en fait. Merci mon frère. Franchement, j'y croyais pas, frère. Francis, t'allais dire ouais, t'es éliminé, tu sautes. On a parlé. Non, non, non. En fait, dis-toi, en vrai, je suis pas là pour l'argent, je suis juste là pour participer au cache-cache. Du coup, je me dis que c'est. Toi, t'es un bon. Toi, t'es un bon. C'est vrai qu'on est, c'est vrai qu'on est, on est vachement caché, c'est vrai. Eh, hey, Ramso, t'es un bon. Attends, il va se manger un karma, karma positif, les gars. Bah, bien joué. Attends, c'est quoi? Je vais regarder Imas si... s'il avait dit non. Vas-y. Juste par curiosité, tu connais. Tour est éliminé. Oh. Aïe, aïe, aïe. Tour est éliminé. Aïe, 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 la chasse. Et Imas, t'as une dette envers moi. T'as une dette. Hein. T'as une dette envers moi. Moi aussi, hein, sinon j'aurais dit non. Hein. Merci, les rocs. Du coup, le sandwich, il reste 3 réponses. Est-ce que je tente encore jusqu'à un éliminé ou... Non, vas-y, on va terminer la question. Non. Vas-y, si vous avez une réponse. Moi, j'ai... Les gars, on a quand même pas le premier. Moi, j'ai une réponse. Est-ce que c'est considéré comme un plat? Je ne sais pas, un repas. J'aurais dit barbecue. Oh. Ouais, non, là, ça va loin. J'avoue, un barbecue. Est-ce que c'est un repas? Est-ce que tu vois... Ah, ouais, en vrai... Donc, okay, d'accord, moi, la clé, Moi, mon deuxième choix, ça, c'était tout ce qui est sushi, maki, tout ça, là. Ok, genre japonais, quoi. En vrai, moi, j'aurais pas. Non, ok, attends. Je pense qu'on a oublié un truc, le premier, c'est fou, on l'est pas. Couscous. Les lasagnes. Les lasagnes. Au premier, vous voulez un indice ou pas? Ah oui, des lasagnes. Les lasagnes. Pour les lasagnes, non? Non, ok. Une salade? Dis-moi pas que le numéro 1, c'est salade. La salade. Dis-moi pas que c'est salade numéro 1, frère. Non, c'est pas salade. Couscous? Couscous. Oh, couscous qui passe, ok. Ah ouais. Mais attendez, mais c'est quoi le premier? Cordon bleu? C'est ouf qu'on arrive pas à trouver le premier. Cordon bleu. Les gars, vous vous rendez compte, il y a quasi rien de français là-dedans. La raclette. Il y a que la raclette, hein. L'a déjà dit, un sandwich jambon beurre, gros. Steak frites. C'est français. Un indice, Vertige. Sandwich kebab. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit frites. Ah, mais oui. Mais en soi, la frite, c'est pas un plat. Moule frites. Purée, non, du coup. Ah oui, moule frites. Ah ouais. Poutine. Poulet. Ah ouais. Du coup, c'est poulet frites. Ouais, poulet. Le poulet, c'est numéro 1, gros. Ouais. Le poulet du dimanche. Oh, c'est bah, c'est ça. J'avoue, le petit poulet du dimanche, il fait plaisir. Et tu regardes, j'ai eu des questions comme. J'ai eu des réponses comme ça parce qu'il y en a, ils disaient le poulet du dimanche. Sérieux? C'est vrai. Mais est-ce que quand les gens ils pensent poulet, ils pensent poulet normal ou poulet KFC? Bah, je sais pas, mais j'ai pris vraiment la base poulet, quoi. Ah ouais, ok. Ouais. Comme ça, en gros, poulet frit, tout ça marchait. Et quoi. Du coup, est-ce qu'il y a bœuf ou genre steak? De bon Walker Texas Ranger à l'époque. Mais j'avoue, un bon steak, un bon bistec, les gars, une entrecôte. Bœuf, mais c'est presque ça. Bœuf bourguignon. Ok. Eh les gars, heureusement que je suis pas allé jusqu'au bout, hein. On aurait plus personne là. Tout le monde aurait été éliminé. De ouf. Bœuf bourguignon. Et vous voulez que je vous dise un truc? J'aime pas le bœuf bourguignon. Ok, bon bah les amis, les 4 finalistes. Du coup, Laura encore en place. C'est incroyable en vrai. Imas qui est là, Lupin et Ramso. Ramso, le chanceux. Hein. Eh, mais tu sais que je suis fier de moi là. Toi, t'es fier de toi. Parce qu'en fait, je viens de dépasser un cas. Et c'est bien. Comment ça, tu viens de dépasser un cas? Non, mais ce que t'as vu, moi, ma moyenne dans les tutos. Bon, question suivante, mon petit Verti. Dernière question, du coup. Les amis. Moi, j'ai plus grande peur. Citez-moi les plus grandes peurs. Lupin, tu es le premier. Faut dire le nom. En vrai. La peur des araignées. Ouais, voilà, peur des araignées, t'as peur des araignées, ouais. Pas arachnophobe. Les araignées, numéro 1. Et comment ça se fait qu'on a peur des araignées comme ça, en vrai? Ça fait super peur. Bah, en fait, c'est moche. Ouais, moi, j'ai pas peur, c'est juste ça me dégoûte. Ouais, c'est plus ça aussi, ça me dégoûte. Tu crois que ça cause des films? Ils ont horrifié. Ouais, c'est vrai. Bah, ça me donne des frissons, une grosse araignée qui te passe dessus, là. Ramso. Ah, ok. Ramso, t'as peur de quoi, toi? Toi, t'as peur de quoi? Toi, t'as peur de rien. Les serpents. Oh, les serpents, j'avoue, les serpents. Ça peut passer, ouais, en vrai. Bonne réponse, ça. C'est sûr, c'est sûr. Moi, j'ai peur des serpents, en vrai. Yes. C'est vrai. Pour le coup, les serpents, j'ai peur parce que c'est dangereux. Il y a team araignée ou team serpent, en vrai. T'as moi, c'est les deux. Allez, Laura, c'est ton tour. Laura, t'as peur de quoi, toi? Alors... Déjà, toi, t'as peur des araignées. Oui, du coup. T'as peur des serpents ou pas? Non, ça va. Non, ça va. C'est un ou deux. T'as peur de quoi d'autre? Bah, j'ai pas peur, mais ça va être ma réponse, du coup. Je vais dire la peur du vide. Oh, j'ai peur du vide. Oh, j'ai le vertige de fou, moi. Moi, j'ai le vertige de malade. Et plus je grandis, plus j'ai le vertige. Ah ouais? Ouais, je te jure, je sais pas pourquoi. Val, c'est pas la peur du vide, c'est la peur d'avoir le ventre vide, toi.
Pas pareil. Quoi. Elle est pas mal, elle est pas mal, elle est pas mal. Y'a tout le monde qui a rigolé, putain, je sais pas comment le prendre du coup. Ouais. Ok, bah du coup, c'est Imas. Ouais, l'obscurité, le noir. Le noir ? Ouais, c'est sûr. Oh ! Quoi ? Le noir, c'est pas dedans ! Oui, oh, c'est terrible. Alors là. Pff. Alors là, c'est terrible. Bah, bonne chance à toi. Moi, je pense que avoir peur du noir, c'était avant. Oh frère, moi j'ai Opidia, elle a peur du noir encore. Hein. Aïe 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 aïe, il faut que tu fasses une petite danse. Mais non, t'es mort ou Ah, j'ai pas. Ah merde. C'est parce que t'es décalé. Il faut que tu fasses une émote. Fais une émote et ça va te replacer droit normalement. Ouais, tu viens d'installer du jeu. Oh, c'est terrible. Ah putain, et t'es allé loin, Imas, hein, franchement. Je retiendrai ton presque fair play. Mais finalement, t'as pas donné la réponse, du coup. Heureusement, je l'ai pas donné. Ouais, c'est vrai. T'as sauvé pour rien. Ah oui, c'est vrai, en plus, c'était Benzema que tu voulais dire. Et anecdote que Imas m'a dit hier, il joue un des zombies dans la dernière vidéo d'Inox. Mais non. Ouais. Et j'ai trouvé ça incroyable. Ouais. Attends, mais c'est incroyable. C'était lourd mais ou pas? Il m'a dit, j'ai halluciné. Oh, c'était incroyable. Ouais. Pendant 48 heures, du coup Moi, j'ai fait lundi et mardi. Est-ce que t'as une petite anecdote là, à nous distribuer, là, comme on n'a pas vu en vidéo? Je lui ai demandé la même chose hier. Sérieux? Bah, ah ouais, mec. Je sais pas, je suis curieux en fait. Il s'est passé un truc qu'on a pas vu en vidéo? C'est juste qu'il y avait plein de scènes qu'il a pas mis. Parce que en vrai, il y avait tellement de scènes incroyables. Ouais, ouais, bah, en même temps. Qu'il a pas mis. En même temps, t'imagines 48 heures. Et une anecdote, c'est que tu vois dans le vestiaire. Putain, mais ouais. Peut-être spoil les gens là. Non, non, t'inquiète. Bah, dans le vestiaire, on est resté 1h30 dans le froid. Alors que dans la vidéo, ça a duré 2 minutes. Aïe, 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 aïe. Ah ouais. Ils ont galéré à trouver les armes. Ah ouais, ok. Ok, merci pour l'anecdote. Lupin Là, s'il n'y a pas le noir, frère, j'avoue que... Je pense avoir, en vrai, les sous-marins... Enfin, les sous... Hein ah, oui. Et tout. Non, j'ai peur des sous-marins. Profondeur. J'ai trop peur des sous-marins, gros. Ouais, sous la putain, mer. Gros, les trottinettes, ma phobie, gros. comment ça s'appelle la peur sous la mer, là? La thalassophobie, non? Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, thalassophobie. Ouais. Ah, ça pourrait être dedans, en vrai. C'est pas dedans, mais attends, mais c'est quoi, du coup, les gens ont peur de quoi? Ouais. Il y en a une. Putain, mais wesh. Bonne chance à toi, mon ami. Aïe, 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 aïe. Tu dois faire réapparaître, Lupin, désolé. Putain, mais Laura, elle est encore là. Et nous avons les deux finalistes, et il y a Laura, wesh. Eh, hey, Laura, comment ça se fait? Dis-nous ton secret, en fait. Mais, Vertigo, je suis sûr que tu donnes les réponses à Laura en privé. Non, bah non, parce que regarde, des fois elle trouve pas et tout. Et hop, je suis encore bah oui. Là. Mais attends, mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis mort de rire. Mais j'avoue, c'est incroyable en vrai de vrai. Mais parce que c'est random. L'ordre est random. Mais c'est les questions, improbable. C'est improbable. Mais c'est trop drôle. Ça veut dire que là, c'est la finale. Là, c'est la finale. Avec c'est la finale là, entre. Il y a Ramso. Il y a Ramso. Attends, mais ça, c'est la de ouf. Et lui, il a tellement de chance, mais je vais perdre carrément. Il y a. Ça me terrifie que Ramso a été repêché 4 fois. Ça me terrifie. Les gars, c'était Ramso qui. C'est peut-être Ramso qui va déloger l'eau, hein. Du coup, c'est Ramso. Il y a encore pas mal de réponses, en vrai. Hein. La mort. Des peurs chelous, t'as dit quoi? Ah ouais, en vrai, ouais, hein. C'est quoi qu'il a dit? La mort. Ah oui, la mort, j'avoue, la mort. T'as peur de la mort? Ouais, oui, hein. Ouais, oui, bien sûr. Oh là 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 là. Laura, c'est ton tour. Ça va, il reste encore okay, des réponses. Bah... Après, j'avoue, la peur, ouais, t'as peur mais de quoi? En même temps, bah écoute, je vais dire les clowns. Les ah ouais. Clowns. Oula. Les clowns. Oh, si t'es éliminé sur les clowns. Aïe, 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 elle va être éliminée sur les clowns, les amis. Non, arrête. Attention, j'appuie sur ton bouton. Ah non. Oh, c'était non. La fin d'un règne, en finale. Oh là là. Non, là, bonne chance à toi, bonne chance à toi, bonne chance à toi. Merci beaucoup pour cette aventure. Oh. Oh, wesh, la tête. Oh là là, je te jure, cette chance! J'allais peut-être dire que c'est bon, c'est moi qui allais. Eh, Ramso, t'es passé à deux doigts de 50 balles, gros! Mais je voulais. Mais sauf que c'est ton tour! Eh merde! Ouais, du coup, c'est quoi, je vais t'intéresser, ça veut dire les scorpions. Les scorpions, ok. Bon, les araignées, ça prend, c'est passé. En vrai, moi, j'ai peur des scorpions. Mais est-ce que. Je pense pas. Par contre, si tu trouves encore, frère, masterclass, hein. Aïe aïe. Oh vraiment, est-ce que je peux dire un dernier truc? Allez. Merci pour cette aventure. C'était vraiment incroyable. J'ai bien aimé. Et frère, bien joué, Laura. T'es sauvé 4 fois, je suis sûr que tu vas être encore sauvé. Allez, bonne chance. Imagine encore sauvé. Aïe aïe aïe. Oh, c'est Laura qui l'a gagné. Mais l'eau, mais c'est un coup, mais j'adore ce jeu. Mais attends, quoi? Mais j'adore ce jeu. Est-ce que t'avais encore une. Mais attends, mais Laura, j'avoue, genre, tu vas devenir CDI V-Corp en fait. Bah écoute, c'est mon vois. Est-ce que t'avais encore une réponse ou un truc? Claustrophobie. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Oh, j'avoue.
Septième, je pense. C'est pas dedans. Eh, par contre, ils sont pas dedans. Attends, est-ce que t'aurais été éliminé? Est-ce que t'aurais été éliminé? Attends, je vais chercher un. Vas-y, bah on va voir. Si t'avais vraiment eu de la chance. Ah bah j'aurais pas. Je visite enfin la prison. Mais Valou, je suis la personne avec la. J'ai vraiment jamais dû l'être, moi. T'as pas envie de dire ça, frère, t'as été sauvé au moins 3 fois. Ouais, de ouf. T'as failli gagner. En vrai, t'as failli gagner, hein. Il y a peut-être la peur de l'abandon. En vrai, c'est quand même content d'être arrivé en finale. La peur de l'abandon. La peur de l'abandon. C'est un nom ou pas? Faut que tu rigoles. Oh mais quoi? Bah c'est vrai, ça fait la solitude, ouais, si. Hein. Ah ouais, la solitude, oui, ouais. Ah ouais, ok, d'accord. Bah ouais, si t'es abandonné avec ta personne, du coup. Donc la solitude, c'est au-dessus du noir. Merci, merci. Est-ce que les ours, ça marche? Les ours. Non, et toi, tu vas dire tous les animaux, en fait. Moi, je sais, il y en a, ils ont peur du contact avec les gens. Ah, agoraphobe. C'est agoraphobe. Peur de la foule. Oui, voilà. Ouais. Et c'est agoraphobe. C'était le 9e. C'était le 9e, agoraphobe. C'était le 9e. Ouais. Non. La peur de l'échec. Inverti. La peur de l'échec, non? Non plus. Non plus. Peur de passer sur un pont. Peur de passer sur non un plus. Pont. Ouais, mais je connais plein de gens, ils aiment pas passer et sur non. un pont. Vas-y, donne un indice, Verti. Il y en a encore trois en plus. Hein. Indice, pour le quatrième, c'est un peu en rapport avec la deuxième. De tomber, peur de tomber. Ah, l'avion, ouais, peut-être. L'avion, ouais. Ah, c'est vrai, l'avion, j'avoue. L'avion. Presque. Ah, les sensations fortes. Non, toujours pas. Ah, ok. Merde. Attends, non, mais sérieusement. En rapport les avec manettes. Le deuxième et des avions. Les parachutes. Crash. Le deuxième, le vide. Le crash. Ouais, c'est quoi, c'est crash? C'est mon parachute. Ah, ah ok. Et ouais. Bah, anecdote, du coup, je raconte une anecdote. Quand je me suis mis avec ma copine, le premier Noël, elle m'a offert un saut en parachute que je mets actuellement en vente. Alors, ceux qui veulent faire un saut en parachute que j'ai toujours pas fait, je le mets vraiment en vente. Ah, je suis mort de rire. Que j'arrive pas à faire. J'ai écrit sur le bon coin. Non, mais j'arrive pas à franchir le pas. Indice pour le numéro 7 Pour le 7. J'ai envie de dire. Mais je vais plus vous donner un indice pour le 8ème. Parce que le 7, là, je sèche. J'ai pas d'indice pour le 7. Mais le 8, tout à l'heure, quelqu'un avait dit être sous l'eau. Claire. Se noyer. De se noyer. Se noyer. Se noyer, ouais. À part de se noyer. Bah frère, j'ai peur de me brûler aussi. Peur de se brûler pour le numéro 7. Ah oui, c'est brûlé. C'est brûlé. Non. Accident. Accélération. Accident. Ah, ouais, accident. Un accident de voiture. Avoir un accident, d'accord. Waouh, elle était dure cette question-là en vrai. Hein. Ça a plus de flow, avoir peur du noir. Pour moi, avoir peur du noir, c'était plus ta place là-dedans. Ouais, ouais. Bon, bah Laura, félicitations encore une fois. Et bah, mais je me demande, tu vas t'arrêter quand en vrai? J'aimerais jamais m'arrêter et toujours participer. Mais c'est quand même un truc de malade. Hein. Du coup, ce qui veut dire c'est que vraiment là, juste sur les abonnés, t'es à 100, plus 150 euros. Ouais, vraiment. Donc merci Valou, franchement, tu me régales. Bah, merci à toi. Et puis. Bah ce qui est drôle c'est qu'à chaque fois genre, tu deviens la mascotte et tu gagnes encore. Les gens ils vont vraiment croire qu'en fait c'est manigancé mais tu peux le dire. Hein, genre, y a pas de... y a des rageurs. Je vous le dis c'est truqué. Ouais bah je vais même moi je commence à me poser des questions Verti. Non promis. T'as toujours mon PayPal au fait. Ah, alors, c'est surtout incroyable. Bah en vrai nous ça nous avance à rien hein, genre. Bah clairement. Ouais. Bah oui c'est vrai. Mais au contraire moi si. Ça dénigre un peu mon taf parce que derrière je bosse comme un fou sur la map et derrière en fait bah, c'est scripté du coup c'est pas l'utilité en fait. Non bah oui. Mais GG hein, en espérant bon. Bah du coup tu seras là pour la 4ème édition. Oui bah let's go, j'attends. Remettre encore une fois ton titre en jeu. C'est incroyable. Mais les gars, vraiment c'est improbable. Je suis trop content que ça se passe comme ça, que Laura regagne une 3ème édition. Je vous le redis, je vous certifie qu'il n'y a pas de trucage, on lui donne pas les questions d'avance. En plus, quand on pose des questions sur le Discord, on en pose plein. Du coup, elle peut pas savoir précisément que et quoi. Du coup, franchement, bah bravo. Et de toute façon, vous le voyez avec le déroulé de l'émission, elle a perdu une fois, deux fois. C'est une chance sur deux avec le bouton. Bravo. Bravo, bravo, c'est trop bien. Moi j'aime bien, il y a une petite histoire, tu vois, cette émission à l'abandon, je kiffe trop la tournée du coup. Et quand elle sera éliminée, peut-être la numéro 4, j'aurai un petit pincement au cœur, mais franchement, 3 émissions, c'est tellement random. GG, j'adore tourner ça avec vous les amis, à chaque fois je m'amuse. J'espère que de votre côté vous passez aussi un bon moment. Si c'est le cas, on n'oublie pas les petits pouces, les abonnements, les commentaires. Code créateur Valouz, les gars, on se dit à la prochaine pour l'édition numéro 4, où normalement il y aura 0 bug. La version de toute manière finale est faite, c'est juste que là on pouvait pas y jouer dessus. On se dit à la prochaine.